Salut Loulou, je suis Elmik, bienvenue dans mon monde. Allez, je vous l'avais promis, le numéro 2 de One Piece est sorti au marchand de journaux. Roronoa Zoro, ça m'intéresse, c'est une figurine qui m'intéresse. J'ai les 70 premiers tomes de One Piece en version manga et j'avoue que Luffy qu'on avait eu dans hop là, le numéro 1 ici, donc je vous l'avais présenté en vidéo, tout petit Luffy. Je vous l'avais présenté en vidéo, je vous mets la vignette ici, hop, là-haut, pour aller voir la vidéo. Je vous avais dit que bah, moi, l'équipage du chapeau de paille m'intéressait. Bah, il se trouve que Roronoa Zoro, si je dis pas de bêtises, c'était le deuxième membre de l'équipage de Luffy. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le fascicule. Ça va être vite fait, parce que franchement, le fascicule... On sent au travers du fascicule pour qui est destinée cette collection. Je vais d'abord vous montrer la figurine. Regardez un peu, parce que pour le coup, elle est plutôt bien faite, cette figurine. Puis après, on ira jeter un petit coup d'œil dans le fascicule. Mais c'est assez décevant. Alors, la figurine, la voici. Elle est juste là. Hop là, pardon. Roronoa Zoro. Donc, c'est toujours une figurine en PVC qui est de ces petites tailles, on va dire, par rapport aux figurines qu'on peut voir dans le commerce, mais qui sont, elles, à 30 euros, par contre. On reconnaît Zoro, il n'y a aucun problème. Son visage est correct. Ses cheveux aussi. Les boucles d'oreilles, sont forcément, vu la taille, elles sont forcément non détaillées. On peut voir, ce qui est dommage ici, la petite soudure du plastique, hein, du moulage, ce qui est un peu dommage. Il y a toujours ces trois sabres. Son manteau qui se lève avec le mouvement. Ouais, c'est pas mal. Alors, les sables derrière, là, les fourreaux, c'est du caoutchouc, enfin, c'est du PVC. Hein, donc, voilà, n'hésitez pas à lui redonner un petit peu de forme quand vous sortirez de la boîte. Moi, celui-là était complètement plié. Bon, j'ai réussi à lui redonner une petite forme. En chauffant un peu, on arrive à le redresser. Il y a un petit socle également qui est ici avec les ayants droit dessus, qui permet de le faire tenir à peu près debout. Alors j'ai à peu près parce qu'il tient pas super bien debout, mais bon, bref, le rendu, bah le voilà. Et franchement, pour le prix, là on est sur du 4,99€, c'est la valeur haute, j'ai envie de dire. Ce sera compliqué de mettre plus cher, enfin du moins de justifier le prix au-dessus des prochains numéros qui vont sortir. Luffy était plutôt sympa, plutôt bien fichu aussi. Même s'il a un regard de psychopathe, si on le croise dans la rue, on ne va pas lui chercher des noises. Mais ma foi, il était plutôt cool. Bon, bah Zoro, il est dans la même veine, avec son petit sourire narquois. Non, franchement, c'est sympa. C'est sympathique, ça vaut là les 2 euros et puis là les 5 euros. Mais bon, le prochain numéro, ça va être Usopp avec Chopper. Bon, là, on va déjà être, je pense, sur du 12-13 euros. Ah, là, ça va commencer à piquer un petit peu quand même. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça pouvait donner. Là où ça blesse un peu, bon, maintenant, ça va être le fascicule. Parce que, bon, le prix, tout le prix est passé dans la licence. Hein, un peu dans les figurines. Mais alors, pas du tout dans les fascicules. Je vous mets le petit fascicule. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates, qui en est devenu teint. Alors, hop! Comme pour Luffy, on a juste... Bon, on a ici, mais bon, c'est sommaire. Le sommaire typé manga, donc l'idée était plutôt bonne. Là, l'information, ben, on n'a pas grand-chose. Hein. On a une image et puis quelques informations, mais rien de transcendant. On a ici un poster que je trouve plutôt pas terrible. On sent qu'en fait, ce sont plusieurs images complètement indépendantes les unes des autres qui ont été rajoutées comme ça pour faire un poster. Il n'y a pas de lien entre les différents personnages, c'est mis à la va comme je te pousse, à la Wall Again et Beast to Fly. Non, franchement, le poster, il est vraiment pas terrible par rapport à celui-là du numéro 1 avec Luffy, où là, c'était vraiment sympa. Là, pour le coup, non, moi, je valide pas du tout ce poster. Puis on a une double page ici, 2 euros, mais pareil, c'est assez succinct quand même. Hein. Là, il nous explique un peu l'histoire de ces trois sabres. Mais c'est très succinct, il y a juste quelques images, quelques textes, et on va pas plus loin, puis là on arrive sur le prochain numéro, avec Usopp et avec Chopper. Bon, le prochain numéro par contre, il devrait se situer dans les alentours de 12-13 euros.
Chopper va faire 4 cm. Et puis Usopp va faire 8 cm. Bon, pour ne pas me tromper comme j'ai pu faire la dernière fois, j'ai lu en pouces et pas en centimètres. Si je regarde la taille 2 euros avec son socle, je prends du haut de la tête jusqu'en bas, on est presque sur du 9 cm. Presque. Et Luffy, pour corriger mon erreur. Toc. Luffy, on est sur du 9 cm. Enfin, quasiment 9 cm. Donc voilà. Voilà pour ces deux numéros 1. Enfin, du moins pour ce numéro 1 et ce numéro 2. Bon, c'est une figurine plutôt sympathique. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Pour le prix, là, je dis oui, mais pour les prochains, ça commence à faire un peu cher, quoi. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette collection du numéro 2 de la collection One Piece. Bien, bon, si ce n'est le contenu du fascicule qui, franchement, c'est destiné aux enfants, tout simplement. En discutant avec les loulous, puis pendant le live de vendredi, effectivement, on a bien compris que cette collection est destinée aux enfants. Et même, je dirais, aux petits-enfants, parce que juste une page avec des flèches comme ça, ouais, là on est tourné sur les 12-15 ans. Bon, c'est un peu dommage, parce que bon, bah, One Piece a quand même quelques années maintenant, et puis il y a quand même des adultes qui lisent One Piece. La preuve, j'ai 47 ans et je lis des One Piece. Donc bon, mais bon, voilà. Ces petites figurines iront agrémenter les mangas. J'irai les mettre à côté, devant les mangas. Ce sera toujours bien sympathique. À côté des Dragon Ball, à côté des Guns, à côté des Fairy Tail, à côté des Attaques des Titans, à côté. Bref, mon étagère de mangas est bien, bien, bien fournie. Bon, les loulous, bah en tout cas, ça peut être intéressant de savoir s'ils devraient refaire une collection comme ça, manga. Quel personnage de manga est-ce que vous aimeriez voir adapté comme ça, en petit personnage? J'avoue que l'Attaque des Titans, ça pourrait être bien sympathique pour avoir des personnages vraiment bien, bien sympas. Puis forcément, Dragon Ball. À l'époque, il y a quelques années de ça en arrière, ils avaient fait des petits personnages comme ça. C'était un jeu d'échecs avec des personnages Dragon Ball que j'avais eu à l'époque et que j'ai perdu entre temps. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Si vous l'avez fait, cette collection, bah dites-le moi également dans les commentaires. Ça peut être sympathique. Hein. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à me suivre aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Et à nous suivre tous les vendredis à 21h en live. Donc on peut discuter ensemble, échanger, débattre. On peut présenter d'autres choses à votre demande. Hein. On voit un peu comment on gère le live du vendredi soir. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao !